est la mère de l'enfant? Mais ça, c'est n'importe quoi. Ça va. Les ring lights allumés partout, la télé allumée, la clim allumée, toute la maison est saccagée. Et à la fin du mois, on ramène les factures. Elle est dans la chambre de l'enfant, ici en train de pleurer. Rosine! Rosine! Je vous assure, mes enfants, mon chéri est très adorable. C'est papa n'a deux avions. Il est toujours entre deux avions. Il voyage, il garde des grandes marques, surtout des sacs, des chaussures, des talons. Vous connaissez non? Les grandes marques. Douchy, Gucci, Versace, Louis Vuitton et tout. Mon mari a voyagé, comme vous comprenez là. Et je vis dans une villa avec des ménagères et tout. Oui. Tout ça, c'est mon mari, vous comprenez? Oui. La vie des rêves. Non, c'est pas la vie du paraître. Je vous assure. Je vis dans une villa. Bientôt, je vous fais une house tour. Vous allez voir, vous allez découvrir ma maison. Ne vous inquiétez pas. Posez-moi les questions. Rosine. Excusez-moi, mon mari vient de rentrer du voyage. Je vous ai dit qu'il avait voyagé. Non, il était en France. Je respecte. Il vient de rentrer. Je vais aller m'occuper de mon mari. Bisous. Rosine, moi en France. Chérie, c'est juste pour les réseaux sociaux. Odile, je ne comprends pas ce que tu fais sur les réseaux. Jusqu'à ce que tu laisses l'enfant au salon, toute seule. Tu as allumé la clim, tu as mis la télé en marche et tu as allumé toutes les ampoules. Et je ne crois pas que tes trucs des réseaux sociaux que tu fais là payent une facture dans cette maison. À la fin du mois. Attends, qu'est-ce que tu insinues là? Qu'est-ce que je suis en train d'insinuer? Ce que je suis en train d'insinuer, c'est que tu viens de dire que je suis allé en France. Odile, je suis allé à quelle France? La vie de paraître. Mais ça n'a plus de sens. Tu es en train de critiquer mon métier. Je pensais pourtant que tu m'appréciais avec mon métier. Hein? Tu m'as connu dans ça, non? Oui. Maintenant, tu es en train de juger ce que je suis en train de faire. Rosine, quand je t'ai rencontré avec ce métier, je n'avais pas un problème avec ça. Mais c'est en train de devenir une autre chose. Toi-même, tu ne vois pas. Tu n'arrives pas à prendre soin de ta maison. Regarde où tu vis. Hein, papa? Tu abandonnes l'enfant au salon. Tu es dans la chambre. Tu fais les lives. Et tu racontes n'importe quoi à tes abonnés. Mais il est assez grand. Mais c'est normal. Un enfant de 1 an est assez grand. J'ai les familles. C'est pour l'enfant que tu vas me parler comme ça. C'est pour l'enfant que je vais te parler comme ça. N'importe quoi. Regardez, c'est ça. C'est mon chéri qui m'a amené ça de la France, comme je vous ai dit récemment. J'ai des familles. Oui, mon fils est très adorable, comme sa mère. Ça va. Mes authentiques, je dois vous laisser et je vous reviens bientôt. Ne vous inquiétez pas, la mère est authentique. Je reviens tout à l'heure. Voilà, mon chéri est là. Je dois prendre soin de mon mari. Ce soir, je sors tout juste de la cuisine et il n'y a rien dans les marmites. Ah, et? Oui, et? Donc pour toi, c'est normal que tu restes à la maison, tu ne fais même pas à manger. Et quand je parle de ça, tu me dis et comme si c'était quelque chose de très normal. What were you expecting me to do? Mais Rosie, c'est toi la femme dans cette maison, c'est toi qui dois faire à manger. Hein? C'est écrit dans quelle Bible que c'est moi qui dois faire à manger? Hein? C'est écrit dans quelle Bible que c'est moi qui dois faire à manger? Écoute, si tu es allé à la cuisine, il n'y a pas à manger. Eh bien, fais-toi à manger. Prépare là comme ça, moi aussi je vais manger. What's the meaning of all this? Eh oui, donc ça atteint le niveau où c'est moi qui dois faire à manger chez moi. Tu peux pas préparer pour ta femme aussi. Tu peux pas préparer pour ta femme aussi. Donc, j'épouse une femme et je fais la cuisine. Vous aimez voir avec les yeux. Tout ça parce qu'elle s'est dit influenceuse tous les jours devant les ring lights, elle fait les vidéos. Et le plus énervant, ce qu'on ne voit même pas, c'est que tout ça rapporte dans cette maison. Ça ne paye aucune facture dans cette maison. C'est quoi? À chaque fois, tu dois tout le monde rappeler que, oh, influenceuse. Quand tu me draguais et me mettais chez toi, tu ne savais pas que tu étais une influenceuse. Arrête ça! Arrête! Vous dites, quand tu es venu chez moi, c'était pas ça. Hein? Mais, tu n'es pas la seule influenceuse ou quoi au Cameroun? Il y a plusieurs d'autres influenceuses qui prennent soin de leur famille. Prends soin de ta famille, prends soin de ta maison. Prends soin de ton homme, fais un planning.
De toute façon, sache que si ça continue comme ça, toi et moi, on ne va pas pouvoir vivre dans le même toit. C'est ce que je voulais que tu comprennes. Tu veux manger quoi? Emma? C'est moi qui dois vous parler. Je dois prendre soin de l'enfant. Emma? Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Tu habites où? Ici, ici, là-haut, ou ici? Ta mère est où? Où sont tes parents? Maintenant, c'est la France, habite où? Tu habites où, bébé? C'est où? Kian, bonjour, salut. Kylian. Kylian. Qui t'a laissé ici au salon, non? Kylian. Kylian. Il est parti où? Est-ce qu'il peut descendre les escaliers? Kylian. 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 Ne me tue pas, ne me tue pas, ne m'abonnez. Il a volé mon enfant.
Pardon, tu m'as trop tapé, pardon. Je descendais, papa. J'ai trouvé l'enfant ici au milieu. Ici, papa. J'ai demandé à l'enfant que tu habites où. L'enfant ne parle pas, papa. Je connais pas. Donc tu as trouvé l'enfant d'ailleurs. Ici. J'ai moi dit cette affaire. S'il vous plaît, laissez ce gars là partir. On parle de quelqu'un qui a volé mon enfant, tu dis quoi? Et maintenant j'ai une question pour toi, Rosé. Qu'est-ce que tu faisais à l'intérieur et l'enfant est dehors? Ou bien comment est-ce que l'enfant a fait pour se retrouver dehors? Mais madame, comment vous pouvez laisser le portail de votre maison ouvert et les enfants sortent? Vous ne pouvez pas veiller à ce qu'ils sont à l'intérieur. Mais madame, vous aussi. Vous faites en tuer les innocents ici dehors. Ils voulaient juste aider cet enfant-ci. Vous êtes à l'intérieur, on devait le tuer maintenant. C'est vraiment pas normal, l'enfant ne tue pas, comme ça là. Je vous demande de laisser ce monsieur partir. Merci. Ça veut dire que s'il ne protège même pas l'enfant, peut-être que l'enfant devait se porter distant. Il sort à la maison, pour moi là. Tu peux toucher mon enfant. Madame, vous savez, nous sommes ici là et le dehors est mauvais. Quand on voit les choses comme ça, laissez-moi, hein. Désolé, monsieur. Madame, prochainement, soyez consciente. On devait tuer quelqu'un comme ça. C'est pas croyable. Monsieur, désolé. Hein. Désolé, mon père. Hey, elle quitte là. Cet enfant n'est pas en sécurité entre tes mains. Cet enfant n'est même pas un peu en sécurité entre tes mains. Je suis sûr que c'est parce que tu étais en train de faire tes histoires des réseaux sociaux, genre TikTok, Facebook, sur tes lives. L'enfant est quitté jusqu'en haut, descendre les escaliers, sorti du portail. Et par maladresse, on a failli tuer quelqu'un à cause de ce bébé. Et là, tu viens, tu me tends la main, je vais prendre mon enfant. N'essaye même pas de te justifier, Rosé, s'il te plaît. Parce qu'à partir de maintenant, j'ai deux résolutions. C'est soit tu abandonnes ces affaires des réseaux sociaux, soit tu te concentres sur ta famille. Si tu ne veux pas, il y a d'autres personnes qui sont prêtes à le faire. C'est tout, papa.